Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Les principaux titres de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gayt Salah supervise un exercice démonstratif avec munitions réelles au deuxième jour de sa visite au niveau de la deuxième région militaire. Nourdine Bedoui met l'accent à Tawan Rasset sur l'accompagnement des investisseurs dans les zones d'expansion touristique. Hier, un appel a été lancé depuis Insalah à la généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire dans les nouveaux établissements éducatifs. Une nouvelle cimenterie bientôt à Sigus dans la wilaya d'Ombouégui avec une capacité de 2,2 millions de tonnes par an. Ce sera la 13e cimenterie du groupe public JICA. Les arts et la culture dans la rue, c'est de cette manière que Mascara a célébré la naissance de son premier café culturel. Pour commencer, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Rassane Salamé, est à Alger. Une visite de travail de 2 jours dans le cadre de la concertation permanente entre l'Algérie et les Nations Unies sur la situation en Libye. Rassane Salamé a eu un entretien avec Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter à présent leur déclaration juste après cet entretien. في حقيقة الأمر أن التشاور والتعاون والتواصل بين بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبين السيد وزير خارجية الجزائر لم يتوقف يوما منذ تسلمي لهذا المنصب في شهر 8/2017. أولا بسبب القرب الجغرافي الواضح بين الجزائر وليبيا الذي يوقع على كتفي الجزائر حملا ثقيلا وشرعيا يجب على أي مسؤول في ليبيا أن يأخذه بعين الاعتبار وثانيا لخبرة معالي الوزير الشخصية في ليبيا خلال فترة توليه لوزارة الشؤون المغاربية ثم لوزارة الخارجية وزياراته المتكررة لليبيا ومعرفتها الشخصية بعدد من القادة الليبيين مما هو ثمين جدا بالنسبة لي وأنا أحاول الدفع قدما بالعملية السياسية إلى الأمام إن كانت لنا يعني في هذا اللقاء ربما مطولا تكلمنا على الأوضاع أولا في ليبيا وما هي المراحل المقبلة لتنفيذ الخطة الأممية للخروج بنتائج وبالخصوص بتنفيذ ما اقترحه السيد الأمين العام للأمم المتحدة عبر السيد غسان سلامة لتنفيذ خطط العمل للأمم المتحدة فمرة ثانية أكدنا للمبعوث الخاص على استعدادنا التام كالعادة لمرافقة الممثل الدائم في مهمه ومرافقة إخواننا الليبيين لحل الأزمة في ليبيا نحن بحاجة إلى استقرار ليبيا نحن بحاجة إلى أمن ليبيا نحن بحاجة إلى وحدة ليبيا هذه دولة جارة ومصيرنا هو مصير ليبيا ليس فقط بالنسبة للجزائر ولكن بالنسبة لكل دول الجوار فإذا هذه اللقاءات لقاءات مثمرة لقاءات تسمح لنا أن نتبادل المعلومات وتبادل كذلك التحاليل ونحن دائما نمشي مع أجندة واحد بالنسبة لنا كجزائر هو تنفيذ خطة الأمم المتحدة بالنسبة لحل الأزمة التي تعيشها شقيقة ليبيا. Au deuxième jour de sa visite au niveau de la deuxième région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gayt Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles Borken 2019. Salem Kasser. Le général de corps d'armée a suivi en compagnie du général-major Meftah Souhab, commandant de la 2e région militaire, un exposé sur le déroulement de l'exercice présenté par le commandant de la 36e brigade d'infanterie motorisée portant sur les idées générales et les différentes phases de son exécution.
ont pris part à l'exécution de cet exercice, des unités relevant respectivement de la 8e division blindée et de la 36e brigade d'infanterie motorisée, ainsi que des aéronefs de combat engagés afin de détecter les unités ennemies. L'exercice a pour objectif principal d'évaluer et de tester les performances et l'efficacité des systèmes d'armes et des engins et véhicules modernisés et développés localement au niveau des établissements de modernisation et de rénovation du matériel de l'armée nationale populaire. Au niveau du champ de tir et de manœuvre de la région, le général de corps d'armée a suivi de près le déroulement des actions exécutées par les unités participant à cet exercice, des actions menées avec une parfaite interopérabilité, un grand professionnalisme et un haut niveau reflétant les grandes aptitudes au combat des équipages et des commandants d'unités à tous les niveaux. Elle démontre également le degré de compétence des personnels quant à l'emploi des différents systèmes d'armement et des équipements mis à disposition, ce qui contribue à la réalisation de résultats très satisfaisants à travers la précision de tir et les différentes armes. À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée a inspecté et passé en revue quelques engins et véhicules de combat modernisés pour tenir ensuite une rencontre avec les personnels des unités ayant pris part à cet exercice où il a prononcé une allocution d'orientation, à travers laquelle il a souligné que ces résultats obtenus lors des tirs méritent d'être encouragés et que l'ensemble des participants méritent à leur tour d'être salués pour leurs efforts consentis dans cet exercice d'évaluation. Cela dénote également de la maturité en termes de formation, d'instruction et de préparation. Ces résultats réalisés aujourd'hui lors de cet exercice d'évaluation constituent un indice qui témoigne clairement de l'intérêt accru qu'accorde le commandement de l'armée nationale populaire à la formation, l'instruction, la préparation au combat et à la mise à disposition de toutes les exigences matérielles et d'équipements qui s'accommodent avec le parfait accomplissement des missions assignées. Ce succès constitue sans nul doute le fruit d'une vision clairvoyante et perspicace et de laborieux efforts qui sont couronnés grâce à l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, par la concrétisation des résultats escomptés. À l'issue, le général de corps d'armée a mis l'accent sur la nécessité de se conformer avec rigueur à la concrétisation des programmes de préparation au combat, étant le chemin qui aboutit à la réalisation du progrès escompté et à la disponibilité opérationnelle requise. Troisième et dernier jour de la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans la wilaya de Taman Rasset. Et depuis Taman Rasset, Nordine Bedoui a mis l'accent sur l'accompagnement des investisseurs dans les zones d'expansion touristique. La délégation ministérielle était hier à In Salah où de nombreux projets ont été inspectés et inaugurés. La généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire, un point qui a été largement abordé lors de la deuxième journée. Karim Haïfa. Des champs de maïs à perte de vue, des eaux souterraines à profusion, dans une des régions les plus ensoleillées de la planète. Dans la circonscription administrative d'In Salah, on en est conscient et les autorités locales sont visiblement prêtes à suivre les directives du ministre de l'Intérieur qui les a appelées à encourager l'exploitation des énergies renouvelables dans le secteur agricole. Si on veut devenir meilleur, il faut adopter de plein pied la stratégie établie par le président de la République pour l'horizon 2030, à savoir l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, dont l'énergie solaire, à l'agriculture. Une énergie qui permet entre autres le forage de puits et l'exploitation des eaux souterraines. Et il faut maintenant que nous tous, autorités locales, responsables, sociétés civiles ou encore agriculteurs, nous tous, nous devons nous intégrer dans cette stratégie. Par ailleurs, la délégation ministérielle a tenu une rencontre avec la société civile au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées, parmi elles l'emploi ou encore la réhabilitation du tronçon de la route nationale reliant Inarak à In Salah.
Je suis convaincu que la question de l'emploi ne sera réglée qu'avec la prise en charge effective de ce défi qui consiste à offrir les conditions idéales à nos enfants qui sont en formation ainsi qu'aux étudiants et universitaires. Avec la création de cet espace qui encourage l'investissement, qui touche à l'agriculture mais aussi à l'industrie, certains me disaient qu'il fallait investir pour créer des usines de transformation. C'est exactement la problématique qu'il faut traiter. Nous, en tant qu'autorité locale et nationale, nous avons l'obligation d'orienter ces investissements. Ces wilayas cherchent uniquement à avoir un accès direct vers le nord, notamment la capitale. Aujourd'hui, le plan d'orientation qui touche au réseau routier crée de nouvelles liaisons routières entre plusieurs wilayas du sud du pays, entre Tindouf et Adrar, entre Adrar et Tamnraset via Insalah, entre Insalah et Tamnraset jusqu'à Ilizi via Borj al-Hawass et Borj Omar Idriss. Les chantiers et les travaux battent leur plein pour ces projets, des projets qui ont pour objectif de relier toutes ces wilayas horizontalement afin que chacune des wilayas traversées par ces nouvelles routes profite des retombées économiques et des ressources de ses voisines. Au chef-lieu de la wilaya déléguée, plusieurs projets ont été lancés et d'autres inaugurés conjointement par Nourdine Bedoui et Abdelghani Zahlan, à l'instar de ce centre d'hébergement destiné aux migrants clandestins. Je vous propose d'écouter à présent Nourdine Bedoui. Il parlait hier de l'opération de promotion de certaines régions en wilaya déléguée. Les directives du président de la République Abdelaziz Bouteflika sont claires, réfèrent ce que nous avons accompli lors de cette dernière période, rentre dans le cadre d'une organisation au niveau des zones d'agglomération. Et le président de la République Abdelaziz Bouteflika s'est engagé à promouvoir les hauts plateaux à des circonscriptions administratives. Les énergies solaires, on en reparle. Béchar veut se tourner vers cette alternative énergétique. Plusieurs établissements scolaires et d'autres infrastructures se sont dotés de panneaux photovoltaïques. Une expérience plutôt réussie, comme nous allons le voir avec Naïm Haouch. Comme l'ensemble des wilayas du Grand Sud algérien, Béchar dispose d'un potentiel énergétique renouvelable considérable. Pour mieux exploiter cette ressource alternative propre de surcroît, les infrastructures scolaires à Béchar fonctionnent au solaire, comme cette école dans la cité 1500 ADL. Il y a également des projets touchant les différentes communes, en ce qui concerne notamment l'éclairage public, comme c'est le cas au niveau des cités 600 et 400 logements qui fonctionnent à l'énergie solaire. Nous comptons généraliser l'utilisation de cette ressource. L'exploitation optimale de cette ressource, en plus d'une gestion efficiente, sont à même d'éradiquer la pollution et de préserver l'environnement. Et c'est dans cette optique qu'un centre de contrôle des entreprises industrielles a été créé. Ce centre est doté d'un important matériel de pointe. On fait des analyses biologiques, microbiologiques et chimiques en coordination avec les entreprises. Nous intervenons également dans les activités minières et dans les carrières. D'autres projets sont sur le point d'être lancés, à l'instar de la Maison de l'Environnement, un plus pour la région. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. Retour au journal et au développement local. Mostaganem s'apprête à réceptionner un important projet à l'entrée du chef-lieu de Wilaya. Il s'agit d'un tunnel qui devrait largement contribuer à fluidifier la circulation routière. Abdelhalim Aïcha. Ce sont les dernières retouches apportées au tunnel situé à l'entrée de la ville de Mostaganem, près de la gare routière des voyageurs. Par le passé, ce lieu constituait un point noir pour la circulation routière en raison du flux important de véhicules. La route étant étroite, tous les jours il y avait des accidents de la circulation. L'ouverture du tunnel va fluidifier la circulation. C'est une bonne chose pour nous et ça va diminuer l'encombrement. Nous qui venons souvent à Mostaganem, nous souffrons de la lenteur de la circulation et on met des fois une heure pour passer. Le projet comprend également l'élargissement des routes et l'aménagement d'espaces pour déplacer les différents réseaux d'utilité publique. Pour la réalisation du tunnel situé sur la Grande Rue et la route nationale numéro 23, la direction des travaux publics de Mostaganem a dû lever les obstacles et déplacer l'ensemble des réseaux situés sur le tracé du chantier pour éviter de retarder l'avancée des travaux. Ces derniers temps, la wilaya de Mostaganem a enregistré un nombre important de travaux d'aménagement, de maintenance et de mise à niveau des différentes routes nationales et chemins de wilaya. Une nouvelle cimenterie verra le jour dans les toutes prochaines semaines à Sigus, dans la wilaya d'Umbouagui. D'une capacité de production de 2,2 millions de tonnes par an, elle sera la 13e cimenterie du groupe public JICA. À sa livraison, elle générera 450 emplois directs et plus de 2000 postes indirects. La production de JICA atteindra alors 20 millions de tonnes annuellement. C'est un reportage de Abdelmajid Ben. Tout commence ici dans cette carrière de calcaire de Jebel Fortas, en plus d'une autre carrière d'argile située à Koudiet Birou. Le calcaire et l'argile sont les deux principales matières pour produire du ciment. Et c'est à proximité de ces gisements
qu'a été implantée la future cimenterie de Sigius, une petite localité agricole de la wilaya d'Oum El Bouaghi. Dans le cadre du développement du groupe JICA, le site a été choisi de Oum El Bouaghi. C'est un petit peu dans le cadre de développer les régions un petit peu de Oum El Bouaghi. Le coût de l'investissement, c'est un coût qui est très important, donc c'est 52 milliards de dinars. Voilà un petit peu, c'est l'investissement qui va générer un petit peu une activité économique de la région, en plus de mettre le ciment sur le marché et satisfaire les besoins locaux. C'est une cimenterie qui est dotée de la dernière technologie concernant la rentabilité des équipements et aussi la consommation énergétique. Donc c'est des cimenteries qui ne consomment pas d'énergie. C'est un petit peu aux ordres de 20 à 30% moins par rapport aux autres cimenteries. C'est un projet qui est d'une capacité de 2 200 000 tonnes donc de ciment. Un délai contractuel de 31 mois. Comme vous le dites si bien, donc on arrive un peu à la fin du projet, donc on est au 24e mois. Le taux d'avancement de ce projet est de 87%. Pour le groupe JICA, donc, les capacités vont atteindre les 20 millions de tonnes. On est déjà en train de se préparer pour optimiser nos coûts et pour être compétitifs à l'international. Une cimenterie qui, à son entrée en production, verra le recrutement de 450 personnes et va générer quelque 2000 emplois indirects, soit des retombées socio-économiques considérables pour toute la wilaya et sa région. Et dans la foulée, la formation est un volet qui est une priorité. Quand on parle de recrutement, automatiquement, il faut former ces futurs cadres. Donc, en collaboration avec l'université d'Oum El Bouaghi et aussi dans le cadre du contrat qu'on a signé avec ThyssenKrupp, qui est le fabricant de cette cimenterie. Donc, la société a dégagé un montant de 450 millions de dinars. Donc, la formation a commencé dès le démarrage du chantier. Actuellement, donc, on a terminé la formation à l'étranger. La deuxième phase, formation locale, donc, elle est en cours déjà. On a des opérateurs qui sont implantés, on les a répartis à travers 3 cimenteries du groupe JICA. Le respect de l'environnement n'est pas en reste, on y pense. En matière d'environnement, donc, on est à un taux d'émission de poussière vers l'atmosphère inférieur à moins de 10 mg. La cimenterie de Sigius utilise les dernières technologies en matière de filtration. Donc, on utilise des filtres à manche. La cimenterie bénéficie d'une station de traitement des eaux. Donc, il n'y aura pas de rejet nocif pour l'environnement. La société bénéficie aussi d'un éclairage photovoltaïque. Donc, c'est le choix du groupe JICA. JICA ne veut pas s'arrêter là. Il inaugurera dans quelques temps une 13e cimenterie. Celle-ci sera installée ici à Sigius, dans la wilaya de Oum El Bouaghi. Signature ce lundi d'une convention entre les ministères du tourisme et des Moudjahidines sur la valorisation de la destination touristique Algérie, la préservation de la mémoire nationale et sa promotion à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La convention prévoit aussi la formation de guides spécialisés en histoire. L'Algérie a condamné la tentative de coup de force perpétrée aujourd'hui au Gabon par des militaires. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie, qui a toujours rejeté toutes les tentatives de prise de pouvoir par la force, se félicite du rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel dans ce pays ami et rappelle la position africaine commune prise lors du 35e sommet de l'OUA qui s'est tenu à Alger en juillet 1999, consacré à l'acte constitutif de l'Union africaine qui condamne et rejette tout changement anticonstitutionnel dans les pays africains, souligne la même source. La culture et les arts dans la rue, c'est de cette manière que Mascara a célébré la naissance de son premier café culturel. L'association qui a initié ce projet promet un programme très riche. Naïma Chekchek. Mettez la culture dans la rue, elle sera embrassée par le peuple. Un slogan adopté par les jeunes de l'association Littérature et Arts de Mascara. Des jeunes qui ont animé des spectacles sur la place Emir Abdelkader et qui s'apprêtent à lancer un café culturel au centre-ville. Nous,
Nous ne pouvions pas pratiquer l'art sans le peuple. Il est impossible d'être artiste sans partager avec le peuple. Alors nous avons décidé d'investir la rue. Et nous sommes venus avec un aspect caractéristique de Mascara, qui est le gouel et qui est notre identité. Le gouel, diseur de poésie populaire, qui est typique de l'ouest du pays. C'était vraiment bien. Inch'Allah que ça se répète. Bienvenue à eux et à l'art dans la rue. Je souhaite que ça se répande sur tout le territoire national, dans toutes ces rues, dans toutes ces maisons. Au final, le public est présent, l'élite intellectuelle et les responsables de la culture aussi. Et c'est à ces trois parties de converger vers une nouvelle vision pour reconstituer le lien culturel. Mascara était extraordinaire en abritant le café culturel à travers la place Emir Abdelkader. Nous avons vraiment atteint notre but à travers la réactivation de l'espace public, culturellement parlant. Une réactivation de l'espace public qui a donné du baume au cœur à une population qui se jure fidélité à un type de vie culturelle se déroulant dans la rue comme elle aime. La Casbah de Ténès a connu le passage de plusieurs civilisations depuis les Phéniciens. La Médina, dont de nombreux édifices menacent aujourd'hui ruines, a un besoin urgent de travaux de restauration. Yasmine Chouir. Ténès, cette ville côtière, est une terre qui a vécu tous les bouleversements historiques qu'a connu le bassin méditerranéen. L'histoire ancestrale de la ville est marquée par des occupations successives d'innombrables civilisations. C'est ainsi qu'elle a accueilli les Puniques, les Romains, les Vandales ou encore les Byzantins. Les Phéniciens, c'est la première civilisation à l'époque, avant Jésus-Christ, où Mel ibn Awdin soit là, car c'est Carthéna. Même en Carthéna. Carta égale ville, Téna c'est le lieu. Mais c'est moi Ténès. Bon, on va dire la deuxième civilisation, la Carthagine, En l'an 1302, les Andalous commencent la construction de ce qui deviendra le vieux Ténès plus tard. C'est alors que cette ville devient une ville universitaire où plusieurs géographes arabes viennent travailler. Plusieurs maisons ici sont en danger, près de 63 habitations sont menacées et classées zone rouge et qui ont besoin d'une intervention en urgence pour arrêter cette détérioration, au même titre que les sites historiques et certains édifices religieux tels que les mosquées. المعالم التاريخية أو المعالم الإسلامية المتمثلة في المساجد والذي عبارة عن ثلاث أو أربع مساجد. La région de Ténès, forte de son histoire, constitue un des plus importants lieux de la préhistoire au nord du pays. Elle est aussi un lieu touristique de premier choix grâce à ses plages, sa géographie, son port, son climat et surtout son patrimoine matériel et immatériel. Le rappel des principaux titres à la fin de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah supervise un exercice démonstratif avec munitions réelles au deuxième jour de sa visite au niveau de la deuxième région militaire. Nourdine Bedoui met l'accent à Tamanne Rasset sur l'accompagnement des investisseurs dans les zones d'expansion touristique. Hier, un appel a été lancé depuis InSalah à la généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire dans les nouveaux établissements éducatifs. Une nouvelle cimenterie bientôt à Ségus dans la wilaya d'Ombouagui avec une capacité de 2,2 millions de tonnes par an. Ce sera la 13e cimenterie du groupe public JICA. Les arts et la culture dans la rue, c'est de cette manière que Mascara a célébré la naissance de son premier café culturel.
Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers ces liens. Pour le journal, à 20h, Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain, à midi, Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Très bonne soirée, merci.